じてようにやってたいな大したもんじゃないだろうな歓喜を待つかざした My Hound 感傷 Baby Be Survivor Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur notre première vidéo Split Second, donc c'est Tardifice qui présente. Alors Split Second, jeu de voiture un peu différent des autres du fait que vous pouvez vous débarrasser de vos ennemis grâce à des pièges entre guillemets. Là je vais vous présenter un circuit, donc terminal d'aéroport. C'est pas mal. Alors, en bas comme vous pouvez voir il y a des barres qui vont apparaître, voilà. Ça, ce sont des barres qui vont permettre de pouvoir activer les pièges. Il y en a trois. Les deux premières sont pour les pièges dits classiques, les pièges bleus, comme là. Là, je ne l'ai pas tué. Et normalement, vous verrez, après, j'aurai des barres rouges. Et ça, c'est pour les gros pièges ou les changements de trajectoire. Donc, les changements de trajectoire, qu'est-ce que c'est? Je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, c'est parti. Donc là, changement de trajet, la tour d'aéroport qui se casse la gueule, on se débarrasse des ennemis. Et là, vous voyez que dans Split Second, vous pouvez avoir des petites animations sur certains pièges, pas tous, mais la plupart. Voilà, maintenant je suis premier. Ensuite, autre chose, vous avez des raccourcis, il n'y en a pas sur tous les circuits, mais ils sont assez présents en général. Ils sont assez utiles puisqu'ils font gagner pas mal de temps. Alors je sais pas si vous l'avez constaté, mais le meilleur moyen pour avoir de l'énergie, pardon, c'est d'utiliser soit les dérapages. Vous pouvez également faire des sauts. Et vous pouvez vous mettre derrière des voitures ennemies pour avoir de l'aspiration. Sur les ennemis, donc c'est à dire que celui qui est derrière moi il a plus de 13 secondes, c'est énorme. Et si jamais vous avez ça, bah vous êtes tranquille. Là, je tiens à préciser, je ne joue pas en ligne. Je pense pas que je ferai des vidéos en ligne de ce jeu puisque j'aime pas trop jouer en ligne. Les courses sont plus lentes et beaucoup moins fun, et ça m'intéresse pas. Alors c'est dommage, on verra pas l'avion. Je vous le montrerai dans une autre vidéo du coup, parce que ici sur la piste d'atterrissage, on peut avoir un avion qui se crash, et ça c'est sympa à voir. Donc généralement, sur les circuits, vous avez 3 tours maximum et 2 tours minimum. Ça dépend du circuit. Et bah sinon vous avez 11 circuits sur la quand vous achetez le jeu. Il y en a un que vous devez télécharger, enfin que vous devez télécharger, que vous pouvez télécharger mais il est payant. Mais c'est un bon circuit. Donc vous voyez qu'on a plusieurs modes de jeu, on a course, donc là comme son nom l'indique c'est course 8. Détonateur, vous pouvez prendre une voiture de votre choix et vous avez un temps sur chaque circuit. Vous faites un seul tour et tous les pièges se déclenchent, donc à vous de les éviter. Survie, vous êtes derrière des gros semi-remorques et des camions vous lâchent des barils. Les barils bleus, lorsque vous foncez dedans, ils rebondissent et ils pètent. Et les barils rouges, si vous les touchez, vous mourrez directement. Donc le but, c'est de survivre le plus longtemps. Attaque aérienne, vous avez sur certains circuits un hélicoptère qui vous tire des roquettes dessus.
Votre but, c'est de survivre, vous avez le droit de mourir trois fois. Revanche aérienne, même principe que attaque aérienne, sauf que là, vous pouvez gagner de l'énergie et renvoyer les roquettes sur l'hélicoptère. Élimination, le dernier joueur, donc 8ème, 7ème, 6ème, se fait détruire, donc le but c'est d'être devant le plus longtemps possible. Et offensive, alors là, c'est un mélange de course et attaque aérienne. Donc aujourd'hui, on restera juste en course, hein, c'est surtout pour vous présenter le jeu en global. Donc là, je t'ai juste à préciser les voitures que j'utilise, c'est voitures téléchargées. Hein, parce que c'est. Bah voilà, j'aime pas trop les voitures qu'il y a dans le jeu de base. Et quand vous recommencez le jeu à zéro, vous les avez déjà ces voitures et ça rend le jeu un peu moins long. Allez, c'est parti. Donc là, cale sèche, on change beaucoup d'environnement. C'est du port, donc sur le circuit, vous verrez qu'il y a plusieurs univers. Il y a le désert, un environnement portuaire, des circuits qui se passent dans la ville, et c'est à peu près tout. En mode ravage. Alors, on se débarrasse des ennemis. C'est parti. Je suis passé le premier. Alors là, faut se méfier du bateau. C'est un piège assez sadique. Alors, ce circuit, je l'aime bien parce que bah, l'environnement il est sympa. Et surtout, vous avez trois changements de trajectoire, donc c'est-à-dire que vous avez trois circuits possibles. Ce qui fait pas mal. Méfiez-vous des grandes citernes de chaque côté, puisqu'elles peuvent exploser. Sinon, par rapport au jeu en lui-même, vous pouvez voir que le graphisme il est très bon. Il est bien détaillé, les textures sont bien faites, il n'y a pas de bug. Alors c'est très rare qu'il y ait des bugs. Et sinon, c'est un jeu qui est assez sympa, vous pouvez jouer à deux sur la même console. Et vous pouvez faire des trucs assez sympas. Même si c'est vrai qu'il n'y a que 12 circuits, si vous faites la campagne du jeu, en fait, vous verrez que c'est assez long quand même. Oh punaise, oh le boulet, oh le boulet. Voilà, il y a certains raccourcis, essayez de les ouvrir assez rapidement, sinon bah voilà. Bon bah voilà, je suis mort comme un crétin, mais bon, ça vous arrivera aussi, vous voyez.
Bon bah voilà, c'était cette vidéo de présentation sur Split Second. La prochaine vidéo que je ferai sera sûrement sur Burnout Paradise, donc Xbox 360 toujours.